Rüdiger, who is an artist and the director of the research unit ACTH. He's working on space, sound, and around the physical and perceptive experience of the body. And he will speak today about the negativity of negativity and subjects who follow his theoretical and plastic research since a long time, like the notion of gag, extras, and the character Polichinelle, for example. Thank you. Thank you very much. Donc, as we said, we proceed in France. We can switch back to France so that maybe all of you can understand. Donc, je vais vous parler plus précisément de la notion de gag, qui m'intéresse à partir d'un certain des œuvres dont je vais vous parler, mais qui va tourner, même si dans le titre je parle de Petit Quinquin, qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement récemment, ça va être plutôt l'œuvre que je pense, une série télévisuelle du monde que je pense être un peu une espèce de possibilité aujourd'hui de repenser ces questions. Je vais parler par contre, mettre au centre de ma réflexion un court-métrage de Pierpaolo Pasolini, qui est donc La Ricotta, tourné en 1963. Donc, le 1er mars 1963, les carabinieri romains font irruption dans les cinémas Il Corso à Rome pour saisir les films en 4 épisodes qui s'appelaient Rogopac pour Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti. Et l'objet de cette saisine était l'épisode de Pierpaolo Pasolini, La Ricotta. Ces films furent accusés d'outrage à la religion d'État. Les scandales dénoncés par la bourgeoisie bien-pensante, héritière de la révolution fasciste, avaient été provoqués par l'interprétation pasolinienne des écritures de l'Évangile, mais ne se limitaient pas au fait de voir un figurant, un dénommé Stracci, un bon arien qui interprète les larrons, mourir sur la croix à la place du Christ. Stracci meurt au cause d'une indigestion des fromages des pauvres, la ricotta, qui est faite à partir de cailles recuites. Donc là, voilà au centre de l'image. Cet accident se passe sur le plateau de tournage de La Passion, sous le regard distrait d'une bourgeoisie mondaine venue avec la presse fêter l'éclat de la dernière scène, la mort sous la croix. Le tournage est l'objet du film. Et je vous montre un tout court extrait, très bref. Donc ce film nous montre un Orson Welles incapable de mettre en scène ces moments sensibles de l'histoire chrétienne entouré des figurants qu'on emploie à reproduire des tableaux d'époque maniériste qui sont des tableaux fixes. Pardon, il faut sortir de ça. Comment on fait ? Voilà. Donc, Orson Welles est en train de faire un film avec des images fixes, qui sont donc une image de deux images de peintres maniéristes, donc Rosso Fiorentino et Pontormo. Images immobiles, tournées en couleur. Le film est centré sur les figures qui, dans les interminables pauses du tournage, continuent leur vie de sous-prolétariat de la banlieue romaine, la vie de ces petits peuples, les lumpen prolétariat. Et donc, les lumpen prolétariat est comme une expression qui est rentrée un peu dans le langage, mais veut dire les chiffons, les peuples du chiffon. Donc, lumpen, c'est chiffon. Est filmé en noir et blanc. Cette œuvre pasolinienne est très complexe et extrêmement intéressante, donc je me limite à un seul regard aujourd'hui. Je vais me concentrer sur l'accusation formulée par le procureur de la République italienne, Di Gennaro, présentant les films comme les chevals de Troie
de la révolution prolétarienne dans la cité de Dieu. Donc, cette accusation est évidemment très instrumentale. Donc, le terme de révolution prolétarienne doit rappeler, dans cette époque de l'après-guerre, les grands dangers du communisme qui planent sur toute la société occidentale. Mais il a donc atteint les résultats. Pasolini fut condamné en première instance. Et finalement, il fut disculpé en 64, mais on imposa des changements. Et donc, parmi ces changements, il y a la dernière phrase du film, qui donc originalement était cette phrase-là. Donc, pauvre Stracci, qui crevait était son seul moyen de faire la révolution, mais qu'après les procès, donc, fut changé en pauvre Stracci, qui crevait, il n'avait pas d'autre moyen pour nous rappeler que lui aussi était vivant. Le simple fait qu'on puisse associer la figure de Stracci, les chiffons, donc les lumpen, à la notion de révolution, semble être une ligne de démarcation claire pour les procureurs de la République italienne de cette époque. Je propose d'aborder la notion de négativité à partir de la figure marginale que la caméra cinématographique semble capter presque par accident, donc les figurants. Je voudrais montrer comment un autre aspect central dans ces films, l'usage des formes burlesques, a joué un rôle essentiel dans la réception du public bien-pensant de l'époque et comment les sentiments de danger qui évoquent les mots « révolution » n'étaient peut-être pas immotivés. En guise d'introduction, donc, je vous montre le tableau « Les mangeurs de ricotta », qui est un tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts ici, à Lyon, à quelques centaines de mètres ici. Il a été peint vers 1580. Et donc, ce tableau est la source principale du film. Donc, le film est inspiré par ces tableaux. Et ce qui me paraît, moi, très important aussi, est que Campi lui-même appelait son tableau « una buffonaria », c'est-à-dire quelque chose qui est une bouffonnerie. Et donc, avant de venir, par contre, au comique, il faut noter qu'il s'agit bien d'une forme de portrait. C'est une peinture de portrait. Il est peut-être un portrait déguisé, allégorique donc, du peintre. Mais au premier abord, c'est les portraits des personnes qui ne sont pas notables. Elles n'ont pas de nom, comme Stracci, donc les lumpen, lui, il n'a pas de nom, ou la figurante de la Madeleine stripteaseuse, qui elle aussi n'a pas de nom. Et c'est pour cette raison que ces personnes ont été représentées. Parce que sans nom, elles n'ont pas de personnalité propre et peuvent apparaître devant nous dans leur action première, celle de manger sans y mettre les formes. L'acte de manger est primitif. Ces personnes sont là pour représenter une classe, un comportement, une façon d'appartenir aux choses basses de la chair. Il s'agit bien des figures qui restent et resteront hors de la grande histoire, ce que les cinémas appelaient les figurants, mais qui furent déjà au centre donc, des discussions à l'époque des grandes réformes après la réforme luthérienne. Et ça, il y a évidemment tout un lien très intéressant entre cette époque-là de la peinture et la question du figurant au cinéma. La revue des Générations a consacré deux numéros en 2009 et 2011 à la question du figurant et plus généralement à la question des peuples exposés. Georges Didier Barman décrit ainsi, dans sa contribution de 2009, la problématique. Toute question demeure de savoir, finalement, de quelle façon et en vue de quoi ces vues s'exposaient. On sait que la figuration des peuples représenta un enjeu crucial pour les cinémas primitifs et modernes, au-delà ou à partir de la sortie des usines de lumière. Et il précise plus loin, il ne suffit donc pas que les peuples soient exposés en général, Il faut encore se demander dans chaque cas si la forme d'une telle exposition, cadre, montage, rythme et narration, les enferme, c'est-à-dire les aliène et en fin de compte les expose à disparaître, ou bien les désenclave, les libère ou les exposant à comparaître, les gratifiant ainsi d'une puissance propre d'apparition.
La question du figurant semble en effet s'inscrire au cœur du moyen cinématographique depuis le développement de la première pellicule montrée en public le 28 décembre 1895. La question est particulièrement intéressante car elle est d'un côté vraiment technique. La pellicule enregistre la lumière et donc tous les objets qu'elle rencontre. Et il y a aussi des stracci, des lumpen dans les champs de vision d'une caméra. Même quand ceux-ci s'habillent avec leurs meilleurs vêtements du dimanche, comme c'est le cas dans la sortie de l'usine Lumière. Cette invention technique arrive aussi à la suite d'une époque historique où d'autres formes de mise en visibilité des classes opprimées sont à l'œuvre, autant dans les champs de la pensée politique que dans la philosophie ou de l'art. Pour ne citer que deux exemples artistiques très différents, la tentation réaliste d'Adolf Menzel, qui est donc un peintre qui représente la cour allemande et la noblesse, mais représente aussi, du coup, les peuples qui travaillent à la forge, ça c'est en 1875, ou une autre approche est aussi l'approche caricaturiste des Daumier, lequel esquisse ici les physionomies des corps complètement exténués de la troisième classe vers 1862. Les corps des peuples exposés à la surface photosensible de la pellicule deviennent dès le début du cinéma un enjeu central, s'invitant par la violence de la Première Guerre mondiale, qui devient urgente donc de documenter, ça c'est toute une question sur le cinéma documentaire, elles viennent donc au premier plan des images. Sergei Eisenstein a expérimenté la captation documentaire de ces corps dans son premier long métrage La Grève, en 1925, plaçant les figurants au centre des enjeux narratifs de ses films suivants. C'est dans les années de la Grande Guerre que le cinéma comique replace les figurants au premier plan de la narration, avec des figures de type pauvre, descendant, perdant ou perdu dans le monde moderne états-unien, comme les personnages de Buster Keaton ou de Charlot de Charlie Chaplin. La première apparition de Charlot est de 1914 et celle de Keaton est de 1917. On n'a pas l'espace ici pour aborder plus précisément comment, dans ces différents exemples cités, la forme d'une telle exposition, cadre, montage, rythme et narration, enferme les peuples exposés ou bien les désenclave, les gratifiant ainsi d'une puissance propre d'apparition, donc pour citer encore une fois le cadre de la réflexion de Georges Duberman. Je me limite ici à l'analyse d'une seule forme, qui est au centre des approches burlesques de Keaton et Chaplin, mais qui devient un véritable acteur révolutionnaire dans l'approche pasolinienne, les gags. Je vous montre ici quelques secondes donc, du moment où Stracci va acheter la ricotta parce qu'il a réussi à vendre les chiens de l'actrice principale à un journaliste. Donc, pour clarifier les liens qu'entretiennent les figurants avec le burlesque et les gags, je reviens à deux de mes pièces auxquelles j'ai travaillé entre 1991 et 1993. Il s'agit des deux œuvres performatives nées sous le ciel orageux et très inquiétant à l'époque de la Première Guerre du Golfe. Ces performances étaient hantées par l'invisibilité de cette nouvelle guerre menée par les pays occidentaux, lesquels, issus du désastre de la Seconde Guerre mondiale, nous avaient promis un monde libre, clairement soumis à la violence des effets néolibéraux, mais, entre guillemets, pacifié. L'influence des nouveaux médias et la censure stricte de l'époque et des images donc, de la guerre produisaient au moins des cauchemars nocturnes par lesquels mon inconscient essayait de retrouver des images de la vraie violence et la destruction des corps que les médias comme CNN niaient. Dans la première pièce réalisée en 1992,
donc montré en 92, tourné en vidéo VHS, comme beaucoup des films de propagande ou des revendications de ces années, l'artiste est retenu dans un espace clos, interviewé par ce qu'on comprendra n'être qu'une poupée gonflable et traduit par une voix de femme. Refusant tout discours logique, il ne parle que par analogie, et son visage est couvert par un masque reproduisant les visages des tumifiés du pilote de la force de l'air américaine Jeffrey Norton Sound. Le fantôme qui prend ici la parole est celui d'un des 13 prisonniers, rares victimes de la coalition internationale, exhibés donc à la télévision irakienne le 20 janvier 1991. Ces visages, diffusés massivement sur tous les médias occidentaux, étaient pour moi un figurant qu'on avait porté au premier plan, mais qui restait hanté par tous les autres figurants, jamais documentés, victimes invisibles de cette guerre. Les estimations très approximatives nous disent qu'il y a eu entre 4 000 et 40 000 morts côté irakien, pour dire le déséquilibre total et l'invisibilité totale de cette guerre. Donc une autre œuvre performative a suivi celle-ci en 93, après avoir vu à la Villa Valmarana à Vicenza, puis au musée Carrezzonico à Venise, deux représentations d'un même sujet de Gian Domenico Tiepolo, donc le fils du Gian Battista plus connu, peintes à 37 ans de distance. Le monde nouveau, l'invention de la toute première forme cinématographique des lanternes magiques, donne le titre à ces tableaux. Presque tous les personnages sont de dos et regardent à l'intérieur de la petite construction de la lanterne magique. Dans la deuxième version, donc celle peinte 37 ans plus tard, en 1791, pour l'entrée, peinte pour l'entrée de son propre atelier, toutes les figures tournent les dos aux regardeurs, sauf le vieux Gian Battista et Gian Domenico lui-même. Et sur la gauche, un polichinelle. J'avais été frappé par ces gestes de ne montrer que des corps anonymes des dos, comme s'ils voulaient se soustraire à notre regard inopportun. Or, les polichinelles de la deuxième version ne donnent pas les dos aux regardeurs, et quand on entre dans les autres espaces peints de l'atelier Tiepolo, cette figure est partout. Il est important de souligner que Tiepolo se retire dans cette villa des entre-terres, renonçant de façon définitive à toute autre forme de vie publique à Venise, peu avant le désastre de l'autodissolution de la République millénaire en 1797. Cette année-là, donc prise des peurs d'avant la fulgurante avancée de Napoléon, qui était le jeune général envoyé par la Révolution en Italie, l'État de Venise déclare son autodissolution après 1000 ans d'existence. La République de Venise déclare donc son autodissolution. C'est dans ces retraits d'après les désastres que Gian Domenico produit 104 dessins de la vie de Polichinelle, à partir desquels j'ai construit ma performance pour un acteur. Donc c'est ces dessins-là. Je ne vais pas décrire la performance, mais limitant à rappeler quelques informations essentielles. La performance est une improvisation d'un acteur à partir d'un canevas. Un polichinelle est enfermé dans un espace en hauteur et réveillé par l'arrivée du public, ne laisse plus sortir en employant des lazzi, tous les lazzi possibles. Le lazzo est une forme comique portée propre au théâtre des rues, qu'on connaît désormais sous la forme détournée de théâtre comique à l'italienne. Mais ce théâtre a été et est, partiellement encore à Naples, au lieu de son existence, un théâtre improvisé, des rues, et il a trouvé multiples formes de survivance dans les sketchs improvisés des entr'actes au théâtre de la fin du 19e, début du 20e siècle, ou alors dans les cinémas populaires, par exemple, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je pense ici plus précisément à un acteur italien qui s'appelle Totò, et qui est donc un acteur napolitain, figure comique par excellence de l'après-guerre italien, et que Pasolini a réutilisé à 4 reprises dans des films de longs métrages et de courts métrages par lesquels il continue sa réflexion sur après la récolte. Donc, selon la tradition napolitaine, Polichinelle est né d'un œuf. Un peu oiseau, mais aussi humain, au corps bossu et porteur de chance, il n'est fait que manger.
il a les masques noirs sur un habit blanc, avec les nez qui s'allongent en forme de bec. Il communique avec le monde des morts, mais vit auprès des hommes comme un animal, sans langage ni impropre. Dans sa quête permanente pour calmer son appétit et remplir son gros ventre, il s'arrête, ou plutôt il arrête dans la rue les bons citoyens, pour les inclure à la scène et les exposer à la risée des autres, par des gestes mimiques et des sous-entendus, ne prononçant que quelques mots maladroits, parfois acerbes, mais laissant surtout sa langue fourchée pour que les verbes inexistants ou inappropriés surgissent librement. Polichinelle est une figure antique. Il n'est fait que mourir et renaître. Il est le descendant des figures des théâtres atellanes de la culture osque, occupant les centres sud de la péninsule italienne jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans les théâtres de l'Antiquité atellane, les acteurs étaient personnés, ce qui veut dire qu'ils n'enlevaient pas les masques à la fin du spectacle, ils étaient toujours les masques, car ils n'étaient pas considérés comme des personnes. Ils étaient incorporés aux masques. C'est un point important sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Il s'ensuit qu'un polichinelle n'est qu'un polichinelle, et sans impropre, il connaît guère des actions signifiantes. Ces actions se limitent à celles de la vie nue, manger, dormir, vivre. Pour le reste, il n'est fait que des gags, ou plus précisément des lazzi. Il interrompt les actions des autres. Je souligne encore une fois ces liens qui me paraît important de comprendre. D'un côté, les polichinelles ne font que des actions pauvres, celles de la vie biologique, et bassement nécessaires à la survie des corps. De l'autre, ils s'occupent à des non-actions, c'est-à-dire à faire des gags, qui ne font qu'interrompre les actions de ces autres, qui, eux, sont occupés à produire, construire, combattre, vendre, penser, écrire. C'est-à-dire, ils interrompent les autres qui font quelque chose. Les lazzi sont donc ces moments particuliers où un personnage secondaire, ou plutôt un histrion franchement inutile au déroulement du récit, de l'histoire, interrompt l'action, ou les dialogues par un jeu qui reste surtout gestuel et mimique. Ce qui est caractéristique du lazzo, c'est qu'il s'épuise par lui-même. Il n'a aucun lien avec la scène représentée, c'est la répétition, l'exagération d'un seul caractère. Déplacer sans cesse un objet, pleurer à ne plus en finir, rire à tout moment, bouger la jambe comme si un couple elle était hors de contrôle, ou alors continuer à visser un boulon malgré tout et envers tout, comme Charlot d'un temps moderne. On commence peut-être à voir une certaine familiarité entre les caractères du masque personné, ces actions de la vie nue et les corps exposés, des figurants. Car le figurant, lui aussi, est bien là en tant que corps singulier, mais il ne peut pas être vu pour ce qu'il est. Littéralement, il ne peut pas être ou il ne peut pas être individu. Car tout en étant spécifique, il n'est pas quelqu'un, il est générique, et assigné comme les mangeurs de ricotta, donc, je vous remets, à ses corps nus de la chair, il est exposé, pour reprendre le terme de Georges Lieberman, or qu'il n'existe pas par son interprétation, par son action, par ce qu'il pense lui-même, de lui-même ou du monde. Il s'agit, comme pour un polichinelle, d'un être qui est visible uniquement pour ce qu'il est en tant que vie nue. La distinction entre appartenance à la vie nue, la vie de la Zoé, ou à l'autre forme de la vie organisée et socialité, celle du bios, est au centre des études des quatre livres que George Agamben a consacrés à Homo Sacer, donc l'homme coupé, celui qui n'appartient plus au bios, donc, ou à la vie organisée. J'ai compris il y a peu de temps que les personnages de mes deux performances sont d'un côté des figures personnées, il s'agit bien des masques des polichinelles, et de l'autre des figures assignées un espace hors du monde, coupé de la vie organisée du bios. Et leur mode est le lazzo. Ils ne font qu'interrompre l'action du monde, du bios, du monde politique, du monde des êtres. Bien si la première vidéo n'est faite pas usage explicite du comique ou du burlesque, elles appartiennent bien à cette catégorie d'actions inutiles, qui ne font que retarder, ou plutôt interrompre quelque chose qui nous préoccupe vraiment, la guerre par exemple. Permettez-moi de souligner, à propos de cette extension du burlesque au-delà de ce qui a proprement parlé comique, qu'une de mes obsessions à la base de ces raisonnements sur les figurants concerne le rôle radicalement négatif, car sans aucune possibilité de rédemption, des figurants des Salons ou des 120 journées de Sodome. Donc, film
que Pasolini tourne un peu avant son assassinat en 1975. On pourrait les qualifier de personnés, car destinés uniquement à la fonction que l'on leur a attribuée. Ils ne pourront jamais redevenir des êtres, coupés qu'ils sont du monde et de toute possible vie, embrigadés comme chair nue pour les plaisirs sexuels sans limite des autres. À ces figurants s'opposent les quatre personnes des bourreaux, qui, elles, appartiennent à ce que je viens de nommer le monde des êtres, la vie organisée. Contrairement à leurs victimes, les bourreaux peuvent agir au nom de ce qu'ils présupposent être leur rôle dans le monde, leur destin, leur raison d'être, voire leur violente suprématie. Ils sont conscients de leur culture et même de la littérature secondaire de celle-ci, comme Pasolini l'a souligné dans plusieurs entretiens à propos des Salos et du rapport des bourreaux aux interprètes de Sade. Or que les corps nus, ou les polichinelles, personnés, comme les mangeurs de ricotta stracci, ne présupposent pas leur devenir, ou au moins, on n'en saura rien. Ils sont exposés au monde comme un corps vivant, simplement vivant. Ils sont par excellence les corps des opprimés, ceux pour qui on ordonne le monde en les employant, dites de façon littérale, en les incorporant à des actions qui ne sont pas les leurs. On les incorpore à une brigade, comme on incorpore un soldat, un ouvrier, une main d'œuvre. Les figurants de la ricotta, tout en étant les sujets du film, restent ceux qui sont incorporés à la brigade des faiseurs du film. Et leur vie inutile à l'avancement de l'histoire, celle du film, mais aussi la grande histoire de la passion, ou celle de la société italienne des années 60, ne peut pas être appréciée que comme une interlude, au mieux comme une étude générique d'une classe sociale marginale. On participe tout au long du film à l'exposition d'une forme de vie nue qui produit les rires. Une forme qui procrastine les vrais avancements, qui annule la progression. Je souligne ces points car il me semble être ce qui caractérise autant les figures personnées comme polichinelles que les figurants du cinéma moderne. Ils sont exposés dans leur vie nue et leur action, quand elle passe au premier plan, elle n'est qu'interruption ou une interlude à l'action qui compte à la progression du récit, voire à l'accomplissement de l'histoire. La progression est cette force que Walter Benjamin décrit, on l'a vu tout à l'heure avec Samy, dans la 9e thèse sur l'histoire, comme une tempête qui souffle si violemment qu'elle pousse irrésistiblement vers l'avenir. Ce que nous appelons les progrès est cette tempête, donc conclut Benjamin. Les actions de ces figurants marginales ne semblent donc pas participer de cette force qui, en vertu et malgré tout, avance vers le futur. Il est nécessaire d'évoquer, à propos de la notion de progrès, l'importance qu'a souligné justement Samy dans plusieurs de ses articles, du paradigme temporel que Benjamin décèle dans sa lecture de Marx à propos de la bourgeoisie issue de la révolution de 1789, opposant la force retardatrice de la culture à la révolution progressiste comme nécessité matérielle. La bourgeoisie favorise, selon Marx, les progrès des moyens de production malgré tout et contre tous, quels que soient les coûts sociaux d'un tel avancement. De l'autre côté, elle soutient et développe la culture, chose que Benjamin a beaucoup étudiée, cette question. Celle-ci assume, dans la société moderne, le rôle d'un bien qui relie la modernité à un passé rassurant. Il s'agit d'une forme de ralentissement, la construction d'un « Kulturgut », dit Benjamin, donc un bien culturel, qui s'accumule dans notre dos. Un passé reconstruit sous forme de récits, comme l'histoire de l'art, par exemple, qui sert à consolider l'identité d'un individu pris dans un monde qui change trop vite. On pourrait donc considérer que les gags et les lazzi de ces figures marginales participent à ces mêmes mouvements de ralentissement propres à la culture bourgeoise. Il supposerait qu'ils participent à une création rassurante qui nous accompagne vers un futur inquiétant, où les rires seraient une forme bienfaisante, on vient de parler justement avec Katie Kuchoff, de cette question du
faire du bienfaisant contre un futur malfaisant. Or, Benjamin insiste dans la septième thèse sur le fait que ces biens culturels n'existent que dans une historiographie écrite par les vainqueurs. Car ce qu'il contemple, l'historien matérialiste, en matière des biens culturels, est pour lui d'une seule et même origine qu'il ne peut considérer sans horreur. Il doit son existence non seulement à l'effort des grands génies qui l'ont créé, mais aussi à la corvée sans nom de leurs contemporains. Il n'est jamais un document de culture sans être en même temps un document de barbarie. Kulturgut veut dire aussi, inévitablement, la barbarie qui a permis que les génies travaillent. Donc ça, c'est un concept central dans la réflexion benjaminienne en 1940. Il me semble nécessaire de prendre au sérieux l'horreur dont parle Benjamin, comme la tâche qu'il assigne au vrai historien matérialiste à la fin de la septième thèse, celle de brosser l'histoire à rebrousse-poil. Nos figurants ne semblent pas participer d'une façon ou d'une autre à ces progrès inéluctables. Ils en sont les victimes et c'est le sujet de presque tous les films pasoliniens. On ne peut donc guère les intégrer à ce modèle oscillant entre passé et futur, entre ralentissement et progrès. Les gags est à prendre au sérieux. Il ne nous divertit pas, il ne ralentit pas les choses, il les interrompt. Les gags ignorent toute idée de continuum historique et avec lui toute idée de futur, comme si les tombes ne pouvaient pas avoir d'étendue. Les premiers mots par lesquels Benjamin introduit la huitième thèse sur l'histoire disent « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'urgence, on en parle beaucoup ces dernières années, dans lesquels nous vivons, est la règle. On en parle pour les désarmer, c'est exactement au contraire de comment utilisé par Benjamin. Et c'est cette règle qui s'applique aussi à tous les Stracci et aux autres mangeurs de ricotta. Comme un polichinelle, il ne connaît que les présents. Plus précisément, ils ne connaissent que l'état exceptionnel de la condition actuelle, leur condition subjective. Et nous les autres, qui croyons dans les continuums historiques. Nous ne pouvons pas les voir comme des génériques. Parce que nous croyons qu'il y a un futur, pour nous c'est des génériques, des figures appartenant à la vie nue, des gens sans projet propre. Comment lire cette absence des progrès possibles? Car absence des progrès implique aussi qu'une situation négative ne peut être transformée positivement. Les gags et les lattes sont les retards des pas, ils interrompent. Est-ce un choix ou une condition? Il est certain que ces personnages nous tournent le dos comme ceux de Gian Domenico Tiepolo. Et on devrait envisager la possibilité que cette exclusion de l'exposition ne soit pas un caractère ou un résultat d'une détermination sociale. Il est possible d'envisager, voire nécessaire, me semble, que notre approche des personnes instruites, donc inscrite dans une histoire des vainqueurs, et forcément redevable au récit dominant de la classe active, de la start-up nation, on dirait aujourd'hui, nous rendent aveugles, nous empêchent de voir d'autres possibilités qui peuvent surgir ailleurs, hors du paradigme oscillant entre futur inéluctable et passé reconstruit comme un bien culturel. Une approche intellectuelle des personnes instruites nous pousse à une lecture binaire, typique des avant-gardes, jugeant immédiatement et de façon inconsciente ce qui est impliqué dans un progrès et ce qui ne l'est pas, faisant la distinction entre ce qui est efficace et utile et ce qui ne l'est pas, faisant la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il faut à tout prix éviter les pièges du dualisme, comme l'affirme Donna Haraway en 1985 dans son manifeste Cyborg, qui sous toutes ses formes participe, donc, le dualisme, à la logique et aux pratiques du système de domination de tout ce qui est autre et qui ne sert qu'à renvoyer l'image de soi. Dedans, dehors, finalement, renvoie l'image de soi. Et c'est ici une des caractéristiques fortes de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, celle de ne jamais nous laisser la possibilité rassurante d'être renvoyé à l'image de soi. Pasolini travaille sur le passé,
mais ne produit jamais un coup de tout à goutte. C'est cette forme inconfortable, parfois inquiétante, comme c'est le cas pour les figurons de Salò, qu'il faut prendre au sérieux. Pasolini place les figurons stracci au centre de notre regard et jamais il ne les sort de la condition inefficace, ne lui attribuant aucune possibilité de rédemption. Privé de l'option de transformer cette négativité en force positive, nous perdons nos moyens culturels pour juger sa position. La forme comique du gag désamorce les jugements. Parmi les innombrables gags qui remplissent la vie inutile des figurants de la ricotta, il y a aussi le gag final. L'histrion, donc le stracci, c'est de cette brigade de Cinecittà, celui qui n'est pas appelé à faire histoire, meurt sur la croix. Les bouffons, qui ne devraient pas que distraire et ralentir les courses des choses, brûlent la politesse à la figure historique par excellence, le Christ. Stracci ne ralentit pas l'histoire, il l'interrompt. Il enlève à la figure du Christ toute puissance révolutionnaire, il le prive de son progrès et nous privons en même temps de nos allers-retours rassurants entre la culture que nous avons de l'histoire des évangiles, de la peinture, et la critique que nous voudrions, que nous devrions formuler à l'encontre de la société moderne qui assiste au gag vilain de Stracci. La critique violente exprimée par Orson Welles à l'encontre du journaliste qui l'interrogeait peu avant se trouve complètement désamorcée. Orson Welles dit « Mais vous ne savez pas ce qu'est un homme moyen ? C'est un monstre, un dangereux délinquant, un conformiste, colonialiste, raciste, esclavagiste, poujadiste. » C'est clairement dit, et nous pourrions, comme Orson Welles, revoir le passé en fonction d'un autre futur, nous appuyant sur sa critique. Mais rien ne marche plus, et on mesure comment les gags, est poussé par Pasolini en une position critique, véritablement sacrilège, pour la pensée chrétienne, évidemment, mais aussi et surtout pour la société des années 60, toute dirigée vers le progrès matériel. Il s'agit ici d'un vrai lazzo qui, comme les rires et les pleurs, se situe là où aucune action, aucune pensée n'est plus possible. Le lazzo, l'interruption, est la seule révolution possible pour Stracci. Et comme semblait l'avoir compris le procureur de la République italienne en 1963, il s'agit d'une véritable révolution. Giorgia Gamben a sorti en 2014 un livre très différent, presque positif, c'est incroyable. Donc, à la fin de sa carrière universitaire, c'est un livre sur Polichinelle. Et il revient exactement sur les mêmes matériaux que j'avais utilisés moi pour ma performance. Et donc, il écrit à propos du lazzo. Le lazzo n'est pas une action qu'on pourrait imputer à qui que ce fût. Il ne prévoit aucune responsabilité. C'est un pur et irréparable comment, sans substance ni personne morale. Si je suis seulement un caractère, une signature, un comment, alors ce caractère ne peut en aucune manière me définir ou m'être imputé. Il est ce que je ne cesse de déposer entre les mains du droit, sans pour autant que je puisse ni l'assumer, ni les nier. Sur les fameux procès de la fin du carnaval, on fait un procès à la figure du carnaval, souvent en Polichinelle. Donc c'est inutile ce procès, ça ne produit absolument rien. Les lazzo ne prévoient donc aucune responsabilité, dit Agamben, et tout procès de la bonne société reste inefficace. Mais on pourrait aussi pousser plus loin cette idée en parlant d'un refus des responsabilités. Les refus, non pas de la vie nue à laquelle les hommes coupés et tous les lumpen de la terre sont assignés par les autres, mais le refus de toute responsabilité d'être l'exclu de la vie organisée et avec elle de toute possibilité ou volonté d'envisager le futur. Les figurants, tout en prêtant leur corps à figurer sur la pellicule, nous tournent les dos comme les font les survivants brûlé de l'hôpital américain d'Hiroshima dans l'introduction documentaire d'Hiroshima Mon Amour d'Alain René en 1958. Nous sommes donc au sein de l'hôpital américain construit pour repayer la faute d'avoir brûlé les gens.
Donc Marguerite Duras note dans les scénarios « malade dans les dédains suprêmes de la caméra ». Tu n'as rien vu, et on n'a peut-être rien vu, du refus radical de Stracci à se laisser embrigader dans le corps de la société qui lui demande de transformer sa condition négative en rédemption, ou comme on dirait avec notre vocabulaire contemporain, d'être résilient. Stracci ne semble pas voir dans sa situation négative l'occasion d'une réaction, et on doit garder ouverte la possibilité qu'il refuse de les voir. Dans les mots « réaction », il y a « action ». Et c'est peut-être celui-ci le point nodal, le refus d'agir, le refus d'appartenir à ce qui semble essentiel à toute société bien-pensante, être conscient d'agir pour prendre en main son propre futur. Stracci semble refuser la potentialité d'une situation négative, il ne la désamorce pas par les rires, il a fait capoter. Revenons donc à la citation d'Agamben qui se poursuit, mettant justement la notion d'action au centre de la réflexion du Lazzo. Le Lazzi, mauvaise traduction française, le Lazzi fait rire, le Lazzo on devrait dire, fait rire, parce que l'action en laquelle il consiste est démentie par l'acte même qu'il accomplit. L'action, qui selon l'antique et vénérable tradition est le lieu du politique, ici n'a plus lieu. Elle a perdu son sujet et sa consistance. Le comique n'est pas seulement une impossibilité d'y dire, exposée comme telle dans le langage. C'est aussi une impossibilité d'agir, exposée dans un geste. Mais ce n'est pas pour cette raison que Polichinelle est simplement un politique. Il annonce et exige une autre politique qui n'a pas lieu dans l'action, mais montre ce que peut encore quand toute action est devenue impossible. On est ici donc très proche de la présentation ce matin de Jenny avec la pièce de Marthe Thaler. Artiste héritier du moderne et descendant de la révolution des forces vives de la nation de 1789, j'ai appris à construire mon langage, ou plus précisément les formes de mes œuvres, comme une force qui oscille entre deux pôles, des formes qui révolutionnent les passés pour maintenir dans les bons chemins du progrès. C'est une oscillation qui, je crois, est essentielle dans la pensée de la pensée avant-garde. Cette approche héritée de la classe bourgeoise, pour revenir aux analyses marxistes relues par Benjamin, est avec elle de toutes les horreurs des vainqueurs, mais semble aujourd'hui inapte à tenir compte de tous ces autres corps, les autres vivants, qui non seulement ne participent pas à cette construction progressiste, mais semblent radicalement la refuser. Comment comprendre tous ces autres habitants de nos cultures qui mettent à jour une folle envie de tout interrompre? Comment interagir avec tous ceux qui tournent les dos, réactivant des formes de vie religieuse qui nous semblent d'un autre temps, renonçant au progrès individuel, lui préférant des formes de vie grégaires, se livrant aux pires inventions des start-up digitales sans jamais poser la question si on est un brigadé ou pas, si on est exploité ou pas. Toutes ces formes de refus ne tiennent nullement compte de ces modèles bourgeois qui placent l'action, la conscience de soi, les destins individuels avant toute autre chose. Mon langage d'artiste, qui oscille entre passé et futur, comme aussi le langage de nous tous quand on questionne l'identité, les droits, le devenir et la place de la critique institutionnelle, par exemple, toutes ces formes semblent nier la demande qu'Agamben associe au gag, l'exigence d'une autre politique qui n'a pas lieu dans l'action, mais montre ce que peut encore quand toute action est devenue impossible. Reste le problème plus que sérieux de trouver dans notre propre structure enfermée dans les modernisme avant-gardiste, la capacité de penser la dimension politique hors de l'action. Je m'aperçois aujourd'hui que j'en avais eu une intuition au début des années 90, et il m'a fallu donc 30 ans pour arriver à formuler la demande politique que cette intuition impliquait. On demande qui n'est certainement pas une réponse. Et je suis conscient de l'immense difficulté, voire de l'impossibilité, de penser hors de ces paradigmes situés au cœur de notre langage et de tout ce qui fonde notre façon d'être au monde.
Il appartient néanmoins clair que penser une politique des corps nous demande de sortir de ce qu'Agamben voit dans le quatrième volet de Homo Sacer comme une faute originelle de la pensée de la Grèce antique. La séparation entre le fait d'exister, simplement et avant tout, hein, la contingence d'être au monde, et l'autre façon d'exister par le langage. Celle qui est prédicative, exister par ce que j'ai dit ou je pense de moi. Présupposer donc mon existence pour le dire. Il est frappant de voir comment Donna Haraway s'appuie avant, donc en 1998, sur un même mécanisme, quand dans son livre d'entretien « How Like a Leaf », elle parle de son rapport à la biologie. Il y a deux aspects à souligner lorsqu'on parle de biologie. Le premier est le suivant. Nous vivons intimement comme et dans un monde biologique. Et le deuxième aspect, qui représente un écart des principes majeurs par rapport au point précédent, est le suivant. La biologie est un discours et non le monde lui-même. Ainsi, alors que d'une part, je vis matériellement, sémiotiquement, en tant qu'organisme, et c'est un type d'identité historique qui m'immerge dans le monde, je suis également à l'intérieur de la biologie, car elle est étroitement liée au système de travail, au système d'accumulation et des distributions hiérarchiques d'efficacité et de productivité. Le langage. Il y a peut-être une possible voie que ces deux approches énoncent, celle d'Agamben donc sur l'être premier et l'être prédicatif, et celle de Donna Haraway sur la biologie. Donc la conscience d'être séparé. Et on revient à certaines propositions de Marion Rière. D'être en tension, mais non pas dans un système oscillant entre négatif et positif, entre ralentissement et progression, dans une forme d'organisation de la résilience. La voie possible pourrait être, au contraire, les négatifs de la négativité. La prise de conscience d'une tension qui n'aura pas de solution, car profondément ancrée à deux racines différentes de notre être au monde, notre origine biologique et l'origine du langage. Il faudrait être en mesure d'accéder à une langue qui n'est pas, car encore avant d'être prononcée ou présupposée, elle est interruption, un coup de marteau, une syncope. Je m'aperçois que ces dernières années, je travaille beaucoup à partir des formes qui se construisent comme un coup de marteau. Elles se font langage au moment où les coupes défait la langue. Mais là, on n'a pas le temps et je ne veux pas rentrer dans ce type d'œuvres aussi parce qu'elles sont tellement récentes que je ne serai pas intelligent quand j'en parle. Mais ce qui me semble important est de voir qu'il y a d'autres formes à côté de celles que je ne sais pas décrire de mon propre travail. Et parmi les œuvres contemporaines, il y a pour moi la série de Bruno Dumont dont on peut dire que le langage s'est construit à coups de marteau. La première série des Petits Quinquins, diffusée en 2014 sur Arte, est une histoire policière dans laquelle des cadavres sont retrouvés dans les colonnes des vaches mortes. Et il y a même un commissaire de la gendarmerie qui enquête. Seulement qu'aucun personnage ne pratique la langue, qu'on peut dire prédicatif. Une langue qui s'est construite sur les présupposés qu'on existe, qu'on soit quelqu'un. Aucun de ces personnages ne sort jamais de la situation contingente d'être ce qu'il est, d'être, comme dit Donna Haraway, intimement comme et dans un monde biologique. Tous les personnages sont personnés, ils sont ce qu'ils sont, et leur parole se défait dans les moments même où elles s'expriment. Les corps priment sur la parole, la vie nue sur la vie organisée. Tous les personnages de la série sont des polichinelles et toute action est un gag. Et même si toute action désamorce l'histoire policière, désamorce l'histoire policière à laquelle on assiste, rien n'est revendiqué. Personne ne veut ralentir quoi que ce soit. L'histoire n'a simplement pas lieu. Encore une fois, les gags interrompent même quand on n'arrive pas à comprendre ce qui l'interrompt exactement.
C'est un portrait délicat et précis qui met en avant la vie nue de ces figurants passés sous le devant de la scène sans en faire une étude sociologique à l'intention de nous avant-gardistes et sans jamais nous laisser aucune possibilité de juger. Cette série exige de nous une autre politique qui n'a pas lieu dans l'action, mais montre si peu encore quand toute action est devenue impossible. Et je vous montre, pour finir, une minute, une scène, une action, une non-action du film. Merci beaucoup. En anglais, les questions ou en français? Je ne sais pas. Si Aldo peut participer. We switch over two languages or... We try. Okay. First of all, is there any question? Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, tout de suite. Je vais peut-être commencer par une question. Merci. Maybe I want to do some link with the things we saw in the colloque. Mm-hmm. The first one is maybe I want to ask you if you think Polichinelle is a mirror, because I know that in your performance, le Polichinelle retrouvé chez lui, mm-hmm. the character ended the performance with this sentence, "I will not be your mirror," something mm-hmm. like that, and it make me think to the film of Kader Atia. Mm-hmm. This link with the mirror. Yeah, so do you think Polichinelle is a mirror or not? I thought in 93, certainly, that Polichinelle should not be the mirror. As I saw it at the time, it was certainly that this performance was creating a kind of gag situation pushed so far that the public was nervous at the end, was really, really, it was not a nice end. They were really, it was too much, the Polichinelle. So what was for me at the time a clear thing is that they should assume their own responsibility. So the end of the piece is, if you need a mirror, get the mirror. You send me the death again and I will go to sleep with the dead. With death, like I do it always, so it's not so complicated for me. But if you need a mirror, do something. So that there was this question of the responsibility and of the action. I would not agree today with this position, because in the same time I was
with this, I don't know, it was a position, it was more a kind of interpretation of my own work or intention of the work. I would say that nowadays I would presume that the non-action is an opening of a space, and that we have been in the time of the performance that has rested about an hour, 20 minutes, we were in an open space and we would come back to a closed space. So that is, in this sense, the refusal of the mirror was more like the refusal of a dimension, because in the part that precedes, in the end of the performance that precedes the question of the mirror, Punch says that he is, or her is, or the mask is, in another dimension. So that we cannot confront our problems, he says, to the public. So, understood in the time, for me, you have the problems of the war, of a changing world, of a radical neoliberalism, putting you in this position of incapacity to act. It's not my problem, because the incapacity to act is my condition. So this was clear for me at the time. But I would say today I would be more, certainly more see the dimension of another space that was open up. So what, to use some of the words to say today, that another end is possible, another future is possible, because another present is possible. So this was what I would say. At the time I was not clear. I was surely not clear. And another link I did yesterday, it was Giorgio Agamben wrote about Lazzi and said that it's not an action could be attributed to anyone, and there is no responsibility, and it's a pure and irreparable how without substance or legal person. And it reminded me of the action of the artist Driton Selmani yesterday. You talk about Albert, and where the artist described to the municipality before his action everything about how and when, but nothing about why. And I'm asking if the why can be a mask to the how. And if maybe this naivety that we were talking about yesterday is a that I heard that it was very it was very interesting. Yeah, about thing. Yeah. Yes. So maybe hear about that. Can you hear? Yes, I think we also took the we also have been touching the other problematics about this today. I think in when we talked about these questions about being how the fact that you define your action, let's say also in Kati Khrushchev's contribution, when you are in a given dimension, that is the dimension of care or whatever, you say what you have to do, and by saying what you have to do, you cancel the real antagonism of society, because you repair something in order to repair for another one something, to be healthy to something. Means that it has become a way of cutting off all real antagonism that creates the negative situation. So I would say that in the position of Agamben, let's say in the position, or let's say the two reasons of Agamben and Driton. Seems to me of on a different nature, because in the question of Driton, I see very much this problem of not defining the action, as he didn't. We talked a little more longer yesterday with Albert also about this fact that he didn't define the economy of this work, and this is a very important part of the work. So not defining these strategies is also not defining the object that can be catch up as a mark or as a kind of sponsoring form to get the work known, as we do always in art communication. And this is the first
weapon to disarm the real reasons. So I think that there is a very, for me, an interesting strategy in being also always not clear on which is the goal, so that the action... Aucun procès n'est possible. So also in the case of Dilton, any process is possible. But what is very interesting in the connections you made is that the what is in Agamben's reflection is mainly driven by the question of law. Yeah. And so the position of a Polichinelle of a punch is that you can make the process to punch at the end of the carnival. But this brings only the ritual of the end of the carnival. So you know it's the end of the carnival, but carnival will come back and punch will stay punch, so that you will not change and you cannot make out of him a person with a responsibility. So he will be in a radical non-person position. Mm-hmm. And I think, well, that... this is very interesting to me as this figure that can figure out also the position of a part of our society that is taking this kind of position, saying, I'm not responsible for what is happening in the society. I use this, I take this, I make this, but I'm not the one who can be told that he don't want to participate or whatever. And I think that this is in Dritton's condition, or in the artist's condition, in my own condition, it is a way to think, but it is a very complex strategic position, because I'm in avant-garde. And I know past and future, and I think through past and future. And think, when I make artworks, I'm working with shapes coming from the past, dismantling somehow a construction of the past to reorient the future. But it is an oscillating construction in which I know my responsibility and I define myself as an author. Punch doesn't define himself as an author. And Stracci will never define himself as an author, even if you ask him. Ask Stracci, are you an actor? I don't know. Comment est-il possible qu'il se moque s'il n'est personne? D'où vient la moquerie? For me, the real question is that the gag is not a step by side like you do in when you make humor. So you say something a little bit aside, and then being aside, you see the thing, and the difference makes you laugh. I think in gag, you cut off any possibility. And it is this cutting off, coming back of a kind of biological body through the gag. Because this biological element, that's to see it also with the presentation of Jennifer today, I think it has to be seen in the same dimension. That what is coming out of the body is what has been came after the interruption. So continuity is interrupt, reasons are interrupt, responsibility is interrupt, and then the body is coming back in a kind of biological dimension, or as we said yesterday with Merleau-Ponty, in a kind of another dimension of the body. So I think that there are two different levels in this. In this level of the body that I cannot belong to, because I have a culture, and I have a Kulturgut behind me. But Stracci can, and there are very much bodies and people in the world that can be in this position. I, as an intellectual, I cannot. Or as an author, because it has not to be intellectual, as an author, someone who decides that I'm making something. And so Dritton cannot be a punch. He can use punch strategies, but he cannot be punch. And this is, I think, a very important distinction to make, because this punch position, no, you can be a Dada, you can be in a Dada position, you can be in a Fluxus position. All these artists are very important to me, because they
disrupt the situation by cutting off, but as human, as being author, Beuys can be as flux as he will, he's that culture, or Schwitters can be as Dada as he will, he's making a very cultivated painting. So when you see a painting of him and you put it in a museum, it's wow. Mm-hmm. It is, you see that he has a culture of painting. So I think that we have to make this, what I'm trying to do, to say is also, we are at a limit of our condition of being authors that is based on this bourgeoisie inherited invention of past and future. How bring in all these other humans on the world that are not working with it? How can we, in our very limited comprehension of other dimensions of life, bring in these other lives? This is for me a real question as an author. D'autres questions? Le micro, il est où? Il est là. Ah oui. Et après, il est. On a encore. Le time is running. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Oui. Il faut arrêter après, c'est ça? We make a quick. It's a little okay. Bit late. Juste une question, mais qui est un peu. Tu as parlé de retarder des choses. Mm-hmm. Je sais que ça a été important à d'autres moments aussi dans ton travail. J'ai l'impression que ce dont tu parles avec la coupure est un peu différent. Mm-hmm. Et je me demandais comment il serait possible d'articuler ces deux types d'interventions. En quoi la coupure peut entretenir des liens avec le fait de retarder et vice-versa. Je vais faire une réponse courte et... mais difficile. Disons qu'il y a une chose à comprendre, que la coupure, pour moi, est très proche de la compréhension du mécanisme du trauma. C'est-à-dire, quand tu coupes toute sensibilité, tu coupes quelque chose, et dans la pensée de Benjamin, justement, sur les traumas, quand il en parle à propos de Baudelaire, donc à propos de l'écriture de Baudelaire, il utilise toute cette réflexion sur les traumas. Les traumas n'est pas une absence d'expérience, c'est une autre dimension de l'expérience. Et donc, en bref, pour être très bref, il dit que l'expérience sensible s'arrête, il n'y a plus de mémoire, il n'y a aucune construction, il n'y a rien. Et pourtant, les corps, et là encore on revient au corps, les corps savent qu'il y a un trou temporel, et donc les corps commencent à travailler avec une espèce d'horloge qui constamment lui rappelle « il te manque quelque chose, il te manque quelque chose, il te manque quelque chose ». Donc quand je pense au gag comme une coupure, pour moi, les deux questions sont très liées. C'est-à-dire que les gags arrivent à défaire, là on n'arrive plus à construire du sens, et ils ramènent les corps avec une espèce de sens autre que nous, on n'arrive pas à élaborer, parce qu'on est trop pantello, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui agisse. Or que les ralentissements, je pense qu'on peut le voir d'un côté positivement, c'est-à-dire tu ouvres une dimension d'espace de vie. Comme je disais tout à l'heure dans la performance, une heure et demie de performance des polichinelles, aujourd'hui je les vois comme un espace autre où quelque chose se déroulait qui ne pouvait pas se dérouler dans la société de cette époque. Mais il peut être aussi terriblement poujadiste. Tu vois, parce que j'ai enlevé un peu, c'était trop long, mais j'ai enlevé toute une partie sur une comédie de la même année, Irma la Douce. Tu vois, de Billy Wilder, qui est par ailleurs un auteur que j'adore, mais Billy Wilder ralentit, les gags ralentit, mais nous sommes inscrits dans les cours des histoires, les progrès modernistes des années 60, il y est, mais pour ces moments, on les ralentit, on rit, et on reprend un peu de respiration, on continue, mais finalement, ils collaborent. Non, à cette question. Donc dans les ralentissements, moi je vois une dimension moins radicale qui du coup amène plus radicalement hors de la forme, hors du corps, hors de la mémoire, et qui du coup est complexe parce qu'est facilement complice et facilement repris par toute la marchandisation, quel que soit, je parle intellectuel et idéologique, de l'art. C'est ce que disait tout à l'heure sur la gentillesse envers le public.
tu vois, ou la maladie aujourd'hui d'avoir l'explication de l'exposition par quelqu'un qui t'est gentiment t'amène à expliquer une œuvre. Et je pense que les retardements peut être très facilement une forme détournable. Et du coup, c'est les gars qui me semblent une forme très intéressante à penser parce qu'elle ne prête pas les flancs. Elle est très complexe à détourner. Elle construit un creux, un vide. Mais après, toi, tu penses aussi à partir du spectacle vivant, dans lequel les temps, et c'est comme pour mon Peluchinelle, c'était un temps. Et donc, je pense que là, on en a vu aujourd'hui un exemple, mais comme toutes les pièces de Martha Lehr, on est dans un espace. Mais tu vois, je pense aussi que chez Martha Lehr, il y a souvent des gags plus que des ralentissements. Tu vois, les retours, parce que on en parlera plus tard, si tu veux bien, parce que là, il faut qu'on continue. Mais tu vois, les poèmes de Kurt Schwitters qui reviennent dans son œuvre est véritablement, pour moi, une espèce de monde autre, qui est une autre possibilité hors de la narration, hors des corps, hors de la mémoire. Tu vois. Non, c'est pas hors du corps, je veux dire hors du... excuse-moi, hors du... Non, hors du langage prédicatif. Tu vois. Non, non, moi je disais simplement que je pense qu'il faut qu'on clôt parce qu'on est un peu hors de clou avec le temps. On a pris beaucoup de retard là. Ben, merci beaucoup. Cet après-midi. Merci. Merci.